67, t'as pas la référence. Pas quand on est en profil gauche. Oh putain, cette casquette qui me gratte. Allez, j'en viens. Pardon, hey, alors, ma tante Augustine. Ça s'appelle Augustine ou... Oui, Augustine. Ouais, Augustine. Je vais voir une dame passer. Il y a des enfants qui ont la tête quand ça fait... Ma tante Augustine. Ça fait tourner. Et là, je dis, c'est qui c'est du con c'est... Et alors. Eh ben, et alors, ma tante Augustine, là, qui... Et alors. Et la bouteille, elle était là. On a mis la pâte vilaire dans le plan. Non, vas-y, vas-y, j'improvise après, vas-y, vas-y, j'ai une idée. Vas-y. Et alors ? Moi, je vais improviser tout de suite, hein, on la voit pas. Mais on l'a vu sur les autres plans. Ouais, mais elle a disparu, il y en a plein d'autres. Après, à la fin, je mets. Il y a une erreur de faux raccord. Il y a un faux raccord, trouvez lequel. Ma tante Augustine qui avait du diabète dans tous les coins là. Eh ben, on lui enlevait un œil à la petite cuillère. Et te mords pas, je. Je me mords pas. Arrête-moi! Si, c'est si, juste parce que tu connais pas le contexte, tu me l'as fait de moi. Non, il était dessiné. Il était très bien. Il y avait une excuse. On ne le voit pas. On ne le voit pas. Il y avait une excuse. Mais non, mais attends. Cherche pas une excuse, il y avait une excuse. Oui, c'est pas faux. Arrête, ouais, c'est bon, je ferme la gueule. Et alors? On l'a appelé le cubi d'ailleurs. Eh ben, lui aussi, il avait du diabète. Alors hop, petite cuillère. C'est quoi cet impro? Je sais pas. C'est un peu courant. C'est le texte alors. Il y a un peu. Putain, je me souviens plus ce moment-là. Si, bah, je vais garder le cubi, c'est bien. Garder le cubi, c'est pas mal. Eh ben, et alors, moi, mon cousin, ma tante, on va commencer par la tante, toujours commencer par l'aider, ça me date. Vas-y. Ça va vite là-haut, ça va très vite. J'ai vu. Allez, bois de l'eau. Bois de l'eau. Voilà. Donc le bois de l'eau, on va juste te couper. Ouh, premier coup, t'es dingue, hein. Vas-y. De quoi, non? Non, pas de proposition. Ah, c'est fou qu'on. Si on dit qu'on en refait une, c'est pour faire autre chose, pour voir si ça marche. Vas-y, fais autre chose. Oui, donc c'est une proposition. Eh ben, ça m'étonnerait bien que ça m'arrive. Oh. Allez, bois d'eau. Non. Bois d'eau. Elle était trop bien. T'as tout niqué. J'allais vraiment le boire, hein, au final. Elle était géniale. Oui, tu ouais. Fais chier, merde. In nomine Patris et Rudalis, alma restent cum parisis, Spiritus Sanctus Antenis, Agnus Dei sunt mes, Tartufus... Pousse ton anus là, s'il te plaît. Et j'ai envie de sonner Notre-Dame. Après, on coupe s'il y a moyen. Ah bah bravo, alors. T'es le con qui a pas coupé, c'était... Oui, allô. Quoi, t'as perdu le chat? Ça, c'est l'école parisienne. Vous voyez? Ouais, j'ai eu en train de tourner. Le mec, il est au téléphone, il a rien à foutre, quoi. Là, juste, il coupe pour parler de sa chatte. Attends. Dans la claquer vers ton bouteux. Articule. Quoi? J'articule. Il n'y a pas mieux pour vexer un comédien que de lui dire qu'il articule pas. Oui. Non mais oui, tu lui veux, oui. Tu vas au docteur. C'est ça. Va claquer vers ton endoctriné, tiens. Boutonneux. Putain, j'avais pas le mot. T'as dit quoi, toi? Vers ton endoctriné, tu vois, c'est pour le jeu. Ton endoctriné? Ouais, docteur, endoctriné, c'est pas. D'accord. Par crever ton bouteux, tiens! Par contre, il va crever une fois, par recrever. Mais comment que ça juge?
Bah écoute, ça veut rien dire. T'es à l'école ou pas? Mais dis ce que tu veux. Moi, c'est pour ton bien que les gens, quand ils voient. Elle va créer ton bouteux, tiens. Eh, très bien ça, très bien, bravo. Ah, voilà. Ah, j'applaudis. C'est ici, cher Seigneur, viens prendre la peine d'entrer le soir, comme chez vous, ça gêne. Eh ben, ça fait un petit air gascon, c'est bien. On m'a volé ma plume, mais j'ai perdu mes gants. J'arrive des pays les plus extravagants. Tu vois, ça m'arriverait bien pas que ça m'arrive. On va commencer. Action. Tu vois, ça m'étonnerait. Oh putain! Eh, silencieux là, merde! Je suis sûr qu'on l'entend pas. On va faire la bouche. Je suis sûr qu'on l'entend pas. Ah, moi je suis sûr qu'on l'entend. Je suis sûr qu'on l'entend pas. Mais... putain, qui c'est qui a pas éteint son téléphone là? Merde! Fais chier, hein! Moi je m'investis, je fais tout pour vous là! C'est Gilbert Mocky qui fait ça? Non, Jean-Pierre Mocky. Jean-Pierre Mocky. Oui, c'est Gilbert Montagnier qui chante et c'est Jean-Pierre Mocky qui réalise. Il a pas mis que ça s'appelle Gilbert Mocky. Peut-être dans la famille, je connais pas toute la famille. Je me suis arrêté au grand-père. Jean-Pierre Mocky fait ça, pardon. Jean-Pierre Mocky. Ah, vous étiez tellement parfait, monsieur Bossard. Mais non, j'entends que c'est fini, qu'il est con. Ben, je crois, j'espère. Sinon, on a l'air con, hein. Allez, hop, à te plan sur toi maintenant. Eh ben, on n'a pas fini d'en causer, tiens. Regarde-moi partir. Mais arrête de boire. T'es dégueulasse, hein. Putain, je vais leur cracher à chaque fois. Tu disais quoi? Silence! D'accord! Vous savez combien j'investis dessous, moi, dans ce tournage? Faites chier, merde! On a fait une connerie? Oh! Qui c'est qui m'a foutu cet assistant à la con, bordel? Eh, hey, je suis la vedette du film, donc tu as quel but. Hein? Casse-toi des escaliers aussi, je descends. Mais on la voit la descente? Oui, on la voit la descente. D'accord, monsieur. Salut. On n'a pas de table en bas. Aou! Fais gaffe, ça va être 60. Le plafond est bas. Ça me fait sortir ma culotte par la culon. Y'a un pas. Ah, la fin! Il y a là-dessous une nappe phréatique qui fait que j'ai les yeux qui partent partout, ça m'énerve. Non, ça déconne, ça me fait. C'est la caméra qui te... Je sais pas. C'est que j'ai peur d'oublier mon texte, en fait. C'est ça qui me saoule. Ah. C'est la meilleure pour le perniflar et la soupe. Mais tu rigoles, je te mords. Là, ça fait vache qui pisse, par contre. Elle glaude, mon eau. Voilà. Quoi? Oui. Mais tu sais bien que c'est la Francine qui l'a volé sur l'évier. Les bonnes femmes, il leur faut tout le confort moderne maintenant. C'est bien, on va bien passer pour des misogynes avec ce texte-là. Eh, faut même l'égalité au femelles maintenant, putain. Regarde donc. Que ça tient bon. Vas-y, t'es parti pour l'auto. Par contre, faut qu'on s'en enfile cul sec. Hein? Hein? Faut au moins qu'on s'en enfile un cul sec. Hein? T'es sérieux? Ouais. Bon, bah, et après, on va chercher... le mien est déjà vidé donc. Et après, on va chercher le pulco parce qu'il faut qu'on fasse un plan sur moi. Qu'on renvoie un deuxième cul sec, un plan sur toi, un deuxième. Et après, encore une fois. Hein? Oui. Allez, on y va. Ok, on va chercher le pulco maintenant. Attends, carrément. Je l'ai pas vu, moi, t'es malade. Je m'en vois pas à l'écart comme as. T'es fou ou quoi? Enfin, un pont. Ah bah, je l'ai savouré, remarque. Ah bah, j'ai vu que tu l'as savouré. Ah, il t'est descendu celui-là. On va finir au plus court quand même. Ah hey, t'en prends un deuxième, hein? Ah! Bah oui, c'est pour ça. Ah bah, du coup, faut que je te tienne l'autre. Bah oui, c'est pour ça, moi, je pense. Oui, excuse-moi. Elle était bonne celle-là. Elle était très bonne. Attention, l'alcool est dangereux pour la santé. C'est dangereux pour la santé. Santé. Encore? Tu veux la mettre là? Ouais. Oui, donc en fait, j'ai plus de table, j'ai compris. Deuxième. 25e. C'est que tu rentres après, c'est quoi? Danser pour la Sainte-Barbe, pour la Saint-Pierre, pour... partout, il y avait que... La Saint-Hippolyte, ah, les saints. La bonne femme. La bonne dame. La bonne dame. La bonne femme. Ah, ça va, c'est un synonyme. Ça. C'est encore là qu'on est le mieux. Hippolyte, pour la bonne dame. Partout, il y avait que de la balle. Oh putain! Avec que de la balle! De la balle. Je vais me taper sur la tête avec un sabot jusqu'à ce que mort s'en suive. Bah tu vois mon frère.
Oh, j'ai vu la taille des verres, j'ai dit, mais non. C'est bien, je vais revenir à midi pour le repas de Pâques. Thibaut, ça va? Tu rentres comment? Je sais pas. Allez, on y va. Ta représentation de danse demain? Je sais pas. Je vais danser. Je vais danser demain. Allez, t'es prête? Allez, un. Attends, je mets ma casquette. Ah bah oui, bah venez là. Par contre, fais gaffe, non seulement tu vas sortir du cadre, mais en plus il va tomber du vent. Là-bas. Ça va, j'ai encore un mètre. Non, ça... Allez, on y va. Allez, c'est parti. Ça rec, hein. Mais qu'on n'ait pas l'air con. Attends. Ouais, oui, ça rec. Face à or, mais pas. Face à or. Allez. Il y avait une belle tête de con dans la carabine. Allez, c'est parti. C'est encore trop puissant. Putain, les verres sont de plus en plus gros, je suis désolé. Mais non. Si. Mais les bois pas, qu'est-ce que tu te dis, moi? T'es pas obligé de boire. Mais merde, putain. Allez, c'est bon. Allez. C'est la dernière prise, je l'ai dit tout de suite, celle-là, elle est parfaite. Allez, vas-y, on y va. Puis après, on pète. Tu viens. 2, 3. C'est très bizarre comme phrase. On l'a fait et après, on pète. Hein. Le gars qui est super content. Allez, on pète. C'est quand même bien foutu. Hein. Mm-hmm. Ça, il paraît qu'il y en a des mille. Oh, une météorite. Allô, bon. Moi, je l'ai loupé. Bah, ouais. On repassera. Ça arrive, hein. On repassera. Elle va faire le tour, hein, puis elle reviendra. Bon. Barbez-moi, mais là. Pourquoi écoute d'eau voir? Eh ben tu dis écoute d'eau voir, et puis là tu pètes. Mais quoi écoute d'eau voir? Mais j'ai bien jamais ça dans le texte. Ben reprends ton texte. Eh ben ah bah tiens, je voudrais bien la voir celle-là, tiens. Ben vas-y, tu vas la voir. Ah oui. Oh, bah elle est dans le texte. Bah, je vais t'en mettre moins quand même. Non mais. J'ai cru voir des passants, c'est pour ça que j'ai cru qu'il y avait un chemin. Enfin, je sais pas, je me suis fait toute une histoire dans ma tête. Il y avait une licorne là-bas tout à l'heure. On y va. Non, j'ai voulu la faire. Ah, oh, puis merde. Mais là, bois pas. Tu fais comme moi. Une petite lichette et puis tu savoures. En fait, j'ai voulu la garder en bouche, tu sais, le goût va diminuer. Et en fait, ça commence à chauffer. Bah, évidemment. D'un coup, je dis, ça chauffe ou bien tu fais... Ah oui, ça chauffe, ouais. Ah, y'a l'éclair. Mais y'a l'éclair, pourquoi t'as pas fait l'éclair, bordel? Y'avait l'éclair, on était bien. Quoi? Attends, quoi tu fais? Quoi? Y'avait l'éclair. Attends. On était bien. Attends, explique-moi, là je comprends pas. Non, moi j'ai tout fait. Je me dis, ah y'a l'éclair, ça marche bien. Y'a l'éclair, y'a pas Hitler, y'a l'éclair. Mais on s'en fout, je vais pas dire y'a l'éclair, attends, faut que ça... C'est ça, faut que ça se fasse ou... Mais oui. Bah dis-moi. Mais non, mais tu fais pas... Oh, il y a l'éclair, tiens. Et dès que tu fais ça, ça fait l'éclair et tu sursautes. J'ai compris parce que je vais faire ça que je vais faire. Mais non, mais tu fais... C'est l'éclair. Ah, j'en peux plus. Ah, mais oui. Donc, Bonjour. Donc, écoute donc, ouais. C'est quoi ce mouvement de tête là? Le gars, Earth, Wind & Fire quoi. Il y a un éclair là-bas, mais attends, c'est grand soleil, je comprends pas. Si tu sur ça, tu le sentirais pas par exemple? Non, voilà. Non, mais si tu veux, tu fais ça. Et là, je souris que c'est le signal. Je te fais tac, tu vois, en douce. Puis là, on sursaut, d'accord? D'accord. Ah, attends, on le tente. On le tente. Je pense à la famille qui vient d'arriver, qui va devoir faire. Deux mecs, deux cons qui courent dans le champ. On va pas faire la cascade. Mais moi je pense surtout à la famille qui vient d'arriver, qui se balade en bas, comme des coups, ils doivent faire se barre. C'est ça. Et puis moi je devrais me taper sur la tête avec un sabot, comme devraient le faire tous les vrais sabotiers. Sabatier, c'est fou. Ça devrait prendre un peu moins d'une heure. Bah ouais, Thibaut, ouais, ça prend un peu moins d'une heure. Ça fait une heure et demie qu'on est là. Oui, mais... 1, 2, 3. Je me suis dit qu'il est là. Partout, il y avait que de la balle. Oh putain! Ah, tu fais chier, c'est bon, je me casse. On va rentrer dans le cadre, chacun à côté.